When the sun goes down and you go downtown and you're on your own looking for some fun. J'ai tout de suite aimé tes mains. And the pub people seem to have some pain, so let's drink champagne. J'ai tout de suite aimé tes yeux. Et on est amoureux, je vais mettre du sel dans tes yeux et du gel sur tes cheveux et du miel. Gâcher ta joie, si je peux. That's Europe. Rien à faire de mieux que des bars de vieux. On s'ennuie, il pleut, alors d'abord on boit. And so, England. Oh! Tu vas manquer ce week-end. Pourquoi tu dis ça? Voilà, parce que je vais encore chez mes parents. Mais ça te dirait pas que je vienne? C'est compliqué. Mais un jour, promis. Je t'ai déjà dit. Ça va, t'as la gueule, débile. On se voit lundi. Surprise. Surprise. Ça va? Tu m'as manqué. Ah bah moi aussi. C'était bien le sport? Écoute, ça va. T'as tout déchiré? J'ai tout déchiré. Cool. Eh ben, on y va. Ça a été très dur. Ah ouais. Il me collait. Il me regardait tout le temps là pendant des heures avec ses grands yeux globuleux. Non parce que enfin le mec il croit qu'on est encore ensemble. Là je me sens libre. Enfin, t'es pas si libre que ça quand même. Ouais. Arrête, je conduis là. Arrête. Arrête. Ouais, ça va, c'est bon. Pardon. Ça va? Excuse-moi. Non, mais... Pardon. Ça va? C'était pour rire. Oui, oui, non, mais moi aussi. Wow. Oh. Ah, putain. Ouais. On se fait pas chier. Ah, la baraque de bâtard. Ah, oh, mais c'est un truc de malade. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Tu l'as déjà emmené là, ton ex? Non. Ah, tes parents? C'est trop mignon. Ils vont t'adorer. Ma chérie. Ça va, papa? Mmh. Papa, maman, bonjour. Nicolas. Ma chérie. Bienvenue. Voilà, j'ai une petite surprise pour vous. C'est rien, c'est des chocolats. Hein? Merci. Je les ai... Je les ai gagnés à un tournoi de tennis. Mm-hmm. J'ai... Voilà, je suis classé 15-2. Je sais pas si ça vous parle... 15-2, mais c'est vachement bien. Putain. Putain. T'as pris la branche? Dans le coffre. Putain. Ok, je vous rejoins. Qu'est-ce que tu fais là?
Ta mère s'était transformée en un énorme morceau de viande. Épais, saignant, cuisson parfaite. Et même si je ne pouvais pas communiquer avec ce steak, je sentais bien que c'était ta mère. Et je me disais, je ne peux quand même pas manger ma femme. Et une voix au fond de moi me répondait, mange, mange, c'est pas ta femme, c'est un steak. T'as fait quoi, du coup? Je me suis réveillé. J'avais la dalle. Papa? Quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Il est comment? Il est différent. Il a un peu de brioche? Non, pas trop. C'est bien la brioche. Oui, c'est bien. Mais là, justement... Maki? Ah non, merci. C'est nouveau, ça. Elle nous a gâtés. On est trop fiers de toi, là. Tu es très mignonne en ce moment. Bon, merci, maman. Et pourtant, quand elle est partie chasser la première fois, tu te souviens, avec ses grosses joues d'ado, c'était pas gagné. Non. Non, c'est sûr. Mais là, tu es superbe. Tu sais qu'elle a rencontré un nouveau garçon? Oh! Avec un peu de brioche? Oh! Oui. Et ben, je savais pas trop comment vous en parler. Je crois que je l'aime. Et voilà, ça fait un an qu'on se voit. Et je suis hyper heureuse. Un an? Mais tu vas faire quoi? Tu lui as dit ce que tu fais? Pas encore, mais... je vais lui dire. Parce que lui, il me comprend. C'est comme ça que tu nous dis merci, en nous laissant crever. Mais tu te rends compte de ce que tu nous fais à notre âge? Mais de quoi tu parles, maman? Je te dis juste que je suis amoureuse. Je te dis amoureuse. Mais t'es retombée amoureuse, mais... comment on va manger? On va aller au supermarché, peut-être? Ah bah merci. Alors là, merci. C'est un manque de respect. Mais maman... En ce cas... J'ai jamais réussi à la faire, celle-là. Le reste. Tu veux bien me faire plaisir. Qu'est-ce qu'il fait là? Je l'ai trouvé dans le coffre. J'ai mis personne dans le coffre. Pardon. Qu'est-ce que tu fais, là? Je suis désolée. Pardon, Karim. Je suis super désolée. Pardon. Karim, on s'est trompé. Hein? C'est une erreur. Je vais tout expliquer. Tiens, les clés. Va-t'en.
mal. J'ai un tournoi de tennis la semaine prochaine, comment je vais faire? Lisbeth? On est au 21e siècle, ça se recoule là. Regarde les clés de sa caisse. Les clés de sa caisse, les clés, les clés, les clés. Lâche les clés. Allez, lâche. S'il te plaît. Allez, lâche les clés. Allez, donne tes clés, connasse! Mais tu veux que je fasse quoi? C'est le syndrome du pitbull, voilà, elle est choquée, elle bougera pas. T'es quoi? Mais je te dis, c'est le pitbull, voilà, il faudrait un choc, comme un bruit, là, pour qu'elle se réveille. Le dos vers moi, okay. Le dos, le putain de dos. Ok. Vas-y, voilà. Vas-y. Tiens, fixe-la. Fixe-la, maintiens-la. Oui, presque. Oui. Oui. Oh là, allez, tourne. Hop, ready là, là. Mais ready dire quoi? Putain, y'a le gars. Oh, putain de merde. Attends, lâche pas, lâche. Non, putain. Je sais que t'es là. Karim, je te veux pas de mal. Karim, donne tes clés, connasse. Donne tes clés. Arrête. Donne-moi ça. Mais lâche-moi, toi. Donne. Zay. Aïe. Et lâche. Bâtard. Hé, tu lui fous la paix. Les clés. Karim, je voulais pas que tu la prennes comme ça. J'allais te le dire, je te jure. Je suis désolée. Moi, j'ai connu que ça. Mais quand je t'ai rencontrée, ça a tout bouleversé, ça a tout changé, ça a chamboulé ma vie. Je peux pas te perdre, Karim. Je peux pas te perdre, c'est... Je suis désolée de t'avoir frappé tout à l'heure. J'ai eu peur. Mais moi aussi, j'ai eu peur. Putain, mais en plus, ton ex, c'est pas vraiment ton ex. Mais franchement, tu me dégoûtes, Daphné. Faites attention à la petite. Baisse-toi. Super, je les ai. Ça se recoue. Je suis désolée. Papa, non, je t'en supplie.
C'est pas ce que vous croyez. Vous vous lâchez cette tête. Je peux pas, je suis bloqué, j'ai le syndrome du pitbull. J'ai dit lâchez cette tête. C'est un accident. Mytho, c'est pas un accident, c'est des cannibales.